Nous sommes débarqués au Water Center pour porter la représentation politique des élus Guadeloupe, qui les sénateurs, qui les députés, qui les maires, qui les conseillers présents, puisque on peut rappeler également que depuis 20 mois, nous avons fait un Guadeloupe pour l'obligation vaccinale, qui a viré finalement transformé en accueil saisonnière. Ça ne fait pas pour autant, il y a suspendu des milliers de Guadeloupéens, des centaines de familles, mais en difficulté financière, morale, mentale, professionnelle. C'est quand même extraordinaire quand même, que pas de nous, le 15 mai, d'autres pour mon travail, d'autres pays pays autres. Et une panie, on passe l'éponge, on tourne la page. Non, c'est pas comme ça. Nous avons réclamé depuis le départ, encore une fois, liberté à nous de dire si nous prenons ou pas prendre un vaccin. Nous avons réclamé sur les gens qui ont suspendu, qui ont été salariés publics, salariés privés, contractuels libéraux, qui ont réintégré et qui ont indemnisé par rapport à tout salaire qu'ils n'ont pas payé. Son crime qu'ils ont fait contre le monde, qu'ils ont réparé tout ça. Et bien évidemment, nous avons réclamé qu'ils réhabilitent nous dans le métier, dans la fonction. Puisqu'encore une fois, ils ont été dénigrés en soignant, dénigrés en médecin, dénigrés en médical qui assure et continue de les en lieu et place à l'État. Sans moyens, ils ont pu mettre des rôles, des infirmiers, des SH, des soignants, des ouvriers qui pendant Covid étaient obligés d'isoler des familles pour assurer la continuité des soins. Jordan, naturellement, quand je vois pas de travail, c'est l'hôpital qui n'a pas payé le monde, là, il n'y a pas de travail sur le CHU. Tout reste l'hôpital payé. Il y a 400 suspensions qui font au CHU, des suspensions qui sont illégales. Nous avons dit que ça de long et là, j'en travaille. Il y a des gens qui ont un contrat déterminé, qui n'ont pas besoin d'être réintégrés, pas réintégrés. Des gens qui perdent tout droit, toute carrière, ça n'est pas normal qu'on doit accepter une réintégration sans conséquence pour l'administration. Il faut réparer. C'est pour ça que nous déterminons un engagement. Nous engageons deuxième fois sa mobilisation. Aujourd'hui, les camarades réintégrés, on travaille avec eux. Nous sommes en chemin tout le temps. Et nous sommes en seul et tout le temps, ils ne peuvent pas payer nous et réintégrer nous.